avait dans la boîte. Ouais, cela. Je t'en ai pris un. À toi de choisir. J'en ai pris un au citron. Un petit carré. Sans, ils sont le citron, mais tellement bon. Ils sont trop bons. Et j'en ai pris un autre avec une forme bateau. Comme ça. Fleur d'oranger. Tu veux celui-là? Je te le laisse. Moi, je vais manger. Suis au citron. Bon appétit. On va dormir dans des miettes. J'adore. C'est pas très élégant. Celui-là, il me fait rire parce qu'en fait, je le mélange le matin avec deux autres sérums que je vais te montrer, t'inquiète. Et en fait, du coup, ça fait un liquide transparent avec quelques gouttes de jaune, donc on dirait un jaune d'œuf cru en fait. Oui, il en faut pas pour m'éclater. Donc oui, celui-là, je le mets le matin. Ensuite.
dedans en fait. Et lui est transparent, me semble. Ouais, un tout petit peu bleuté, mais vraiment très léger, je sais pas si tu vas voir. Très, très, très légèrement bleuté. Lui, je le mets le soir avec ma crème hydratante qui est juste là-bas. Je sais pas si tu la verras. Oui, tu la vois d'ici très très peu. Attends, je vais essayer de te montrer en effet miroir ici. Là, le truc que je pointe du bout du doigt. Je mélange ma crème hydratante avec un sérum hydratant et je le mets le soir. Quelquefois le matin, quand j'ai vraiment le temps de mettre beaucoup de sérum. Ensuite, j'ai le sérum correcting. Alors là, c'est écrit que c'est à l'AHA plus PHA. Et honnêtement, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc, c'est pour décongestionner. Et je ne sais pas comment traduire ça. Texture concerns. Je pense pour régulariser, corriger l'aspect de la peau qui parfois peut être pas terrible. Enfin, moi, je sais que. Très clairement, j'ai la peau qui part en couille. Et du coup, bah ça c'est le matin avec le sérum jaune. Ensuite, j'ai quelque chose que je t'ai déjà montré. Le Soothing Serum Copper, je crois que c'est le. Ah oh, zut. Je sais ce que c'est, Copper, Copper. Je sais ce que c'est, je n'ai plus le mot en français, désolé. Et niacinamide. Pourquoi je m'inflige des lectures? C'est pas possible. Pour empêcher l'excès de sébum et désincruster les pores. Donc je te l'avais déjà montré. Et je l'ai déjà bien entamé. Lui, je le mets tous les soirs. Ça sert, mais si c'est important, si c'est écrit, c'est que c'est important, je pense. Pour balancer et booster la peau. Balancer, je pense, pareil au niveau du sébum, de la brillance, etc. Lui, je le mets le matin, donc avec le correcting et le protecting, c'est ça. Et lui, il est un peu plus épais. Il est un peu plus épais, un tout petit peu bleuté, mais il est vraiment très épais sur les autres sans même que j'appuie. Imaginons, je suis comme ça, le liquide va quand même beaucoup couler alors que là il faut quand même que j'appuie. Je passe assez vite sur celui-là, il est pas très intéressant, la couleur est pas folle. Ensuite, un que je t'avais déjà montré aussi, Clarifying Serum au Bakuchiol. Bakuchiol. Et oatmeal. Aucune idée. Pour hydrater. Et je ne sais pas ce que ça veut dire ensuite. Mon niveau d'anglais baisse, ça m'affole. Lui, il est blanchâtre et très épais. Calme-moi ça. Attends, je vais essayer de pas faire tomber à côté. Déjà qu'il y a des miettes, s'il y a des sérums en plus. Genre, regarde comme il est épais. Attends, si j'en mets pas dans la seringue, tu vas pas voir grand-chose. Il est assez épais quand même. Donc lui, je le mets le soir, juste après m'être nettoyé le visage et fait un petit roll-on. J'ai un petit roll-on là-bas avec plein de toutes petites aiguilles. Et je mets les sérums juste après en fait. Et le dernier qui est le dernier que je te montre, mais aussi mon dernier acheté. C'est un sérum nourrissant. Donc, déstressant.
intéressant et conditioning skin, je ne sais pas. En gros, bah c'est, enfin c'est une huile, c'est même pas un sérum. Parce que j'ai la peau mixte, c'est-à-dire que toute ma zone T, donc le front, le nez, le menton, toute cette zone-là, toute la zone T est grasse. Et encore, j'ai le milieu du front un peu sec. Mais mes joues, c'est le désert du Sahara, en fait. Je sais pas si tu vois. Ouais, bah oui, bah ça arrive, c'est chiant en fait. Et du coup, c'est une huile comme ceci. Ça marche plutôt pas mal, ça marche plutôt pas mal. Bon, ça graisse les doigts vraiment beaucoup. Donc, bon, je ne joue pas trop avec non plus, donc je vais la reboucher. J'ai déjà les doigts tout gras. Et c'est peut-être pour ça que je brise, parce que bah, j'en ai mis tout là. Et là, c'est encore de la crème hydratante. Je vais te le laisser. Mais je sais que t'avais deux, trois vues dessus quand même, fais pas genre. D'ailleurs, je peux même te donner des petits conseils pour que ça se rapproche un peu entre vous. Ça marche. Alors, c'est quelqu'un de, comment dire, d'assez solitaire, mais de temps en temps qui aime bien être avec quelqu'un. Donc il faut que
personne ne te parle pas tous les jours, mais ça veut pas dire qu'il ne pense pas à toi, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Moi, pourquoi je lâche? Parce que flemme. Bah, je t'ai dit, j'ai pas le temps de m'occuper de gens. J'ai pas le temps d'entretenir des relations plus sérieuses, entre guillemets, ou trucs comme ça, tu vois. Et puis y a quelque chose qui fait que ça marcherait en amitié, tu vois. Mais pas comme ça. Et puis, comme je sais que toi, t'as des vues. Bien sûr, tu me le feras pas croire. Je t'ai vu. Tu es cramé à 20 000. Tu as des vues sur lui, sur elle. Je pense, prends ton temps, te prends pas la tête, genre vraiment, pas comme dans les films, pas. Oui, voilà, la vie, c'est. On peut croire, genre, oh mon Dieu, c'est un film, etc. Non, tellement pas, mais si peu en fait. Mais du coup, faut pas que tu te crées des films ou que tu te dises, ça y est, moi je suis le plan B parce que t'es pas le plan B. Je veux dire, c'est ridicule. Donc voilà, alors, qu'est-ce que je pourrais te dire? Trouve des points communs avec cette personne. Ça paraît débile, on est d'accord. Mais je pense que tu peux trouver des points communs. Faut discuter. Bon, je pense mon conseil le plus précieux que je puisse te donner, allez, vu l'heure qu'il est là, le conseil que je peux te donner, c'est trouve des points communs, discute, te fais pas des films, et je pense que ça peut le faire en vrai. Oui, tu me donneras des nouvelles. Je peux lui passer ton numéro du coup. Ok, alors tu me rappelles, c'est 06. Se coucher. De toute façon, moi j'ai juste à tirer la couette. Moi j'ai de la chance, toi tu dois faire.